Votre Galerie Beauté, bonjour. Yes? Yes, one moment, please. How do you turn this thing off? Est-ce que tu l'as comme... Non, on fait pas ça, tu vas tout m'agir à l'avancée, ça. Sauf... Ew! So là, aujourd'hui, on a une journée plage. Une journée été à la job, mais il pleut comme c'est dégueu dehors. Puis là, il fallait tout mettre des robes d'été. Fait que là, mais c'était... Are you recording? Oui. Non, elle avait juste parlé à une caméra. What the hell, je comprends rien. Oui. Ok. J'aime pas avec ma femme. Allô? J'ai décidé de vlogger à la job, c'est vraiment pas legit. Sauf que c'est comme la dernière journée de travail à sauf. Puis on va voir ça comme souvenir. Oh, oh, ça va être la photo de thumbnail, ok? On sourit. Viens, viens. On fait? Souris. Non. Pour deux secondes. Belle. Reste à plus. Okay. Là, je suis arrivée chez nous. Mes parents sont pas là, sont partis parce que mon père, comme vous le savez, il joue de la guitare dans un band de musique. Puis il jouait à genre Saint-Adolphe d'Howard, je pense. En tout cas, je suis pas trop dehors. Je vais vraiment prendre ça relax. Genre, personne pouvait vraiment faire de quoi ce soir. Tout le monde travaillait. Puis genre, je suis dans un monde pour être toute seule un peu, je pense. C'est juste comme penser, puis relaxer. Sauf qu'avant ça, je devrais comme vraiment faire le ménage de ma chambre. Parce que, comme vous voyez, vous le savez que moi là, j'ai bien de la misère. Oh, Charlot! C'est vraiment bordel, puis j'aime vraiment pas ça. Fait que je pense que j'ai bien de la misère, je vais faire un petit peu de ménage, puis c'est ça qui est ça! Fait que finalement, ma soirée ne sera pas si relaxe que ça. Je suis en préparation pour aller prendre un verre sur une terrasse qui va être à l'intérieur, malheureusement, parce qu'il pleut à mourir. Donc c'est ça, je m'en vais prendre un verre avec Léa, ma fameuse Léa qui revient de la France, vu qu'elle vient de là. Fait que, on va aller se rencontrer, puis ça va être belle fun, puis peut-être que mon ami Samuel va venir aussi, mais c'est pas encore certain. On va faire ça bien relax, fait que je vous montre à l'instant ce que je porte. C'est vraiment drôle parce que genre, pour vrai, il est comme... Une heure, je disais que j'allais rien foutre de ma soirée. Je me suis habillée comme un garçon aujourd'hui. J'ai mis des jeans, genre lousse un peu, la fourche qui descend, la fourche qui descend en arrière, que j'ai tourné ici pour rendre le tout un petit peu plus féminin. Hein. J'ai mis un t-shirt blanc. On est rendu deux jours plus tard, donc on est rendu lundi. Puis finalement, j'ai pas réussi à vlogger avec Léa parce qu'on est sorti à Montréal finalement. Puis c'était juste pas l'endroit à filmer, je pense. Puis le lendemain, je travaillais à 9h jusqu'à 5h. Puis j'étais vraiment fatiguée. Fait que le reste de ma soirée, j'ai vraiment rien fait. Sauf que je trouvais que le vlog était pas assez long. Fait que j'étais comme, je vais rajouter un petit peu de blabla aujourd'hui parce que j'avais des trucs à vous dire. Je voulais premièrement vous dire un gros merci pour tous vos beaux commentaires sur mon récent vlog où est-ce que je vous ai expliqué que. Tout ce qui était beauté, etc., ça ne m'intéresse plus ou moins. Je vais juste vous dire un gros merci parce que je pense que vous êtes vraiment les meilleurs abonnés du monde. Là. Vous avez vraiment l'air de vouloir m'encourager, puis j'apprécie comme vraiment, vraiment beaucoup tous vos beaux mots. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur, puis ça me motive juste à continuer encore plus. Et sinon, pour finir le vlog, je voulais parler de... le sujet de l'école. Vous le savez que je ne suis pas à l'école depuis janvier dernier. Je comptais prendre juste une session off, sauf que finalement ça l'a viré en un an. C'est juste que j'avais besoin de plus de temps pour moi-même, c'est tout. Et dans une de mes vidéos sur ma chaîne, il n'y a pas si longtemps que ça, je vous parlais de mes questionnements quotidiens, etc. Puis de ce que j'aimais faire, ce que j'aimais pas faire, mais que j'étais pas trop sûre quel programme faire à l'école. Puis comme carrément là, je vais pas vous niaiser, mais je pense que 90% des commentaires c'était que vous me suggériez d'aller en éducation spécialisée ou en travail social. J'avais jamais vraiment pensé à ça, puis j'ai vraiment comme analysé, j'ai fait beaucoup de recherches, puis il y a quelques mois je me suis inscrite
inscrite, puis j'ai été acceptée. Je me suis inscrite, là, il me restait quelques petits trucs, des documents à envoyer, une lettre de motivation, mais pour l'instant, je devrais être acceptée. C'est une technique, puis vu que j'ai déjà terminé un deck, j'ai aucun cours général à faire, ce qui fait en sorte que ma technique de 3 ans, je risque de peut-être pouvoir la faire en 1 an et demi ou 2 ans, ce qui est encore plus le fun. Puis je voulais juste vous dire un gros merci parce que j'ai pas fait ça parce que vous me l'avez dit. J'ai fait beaucoup de recherches, puis je me suis dit comme, waouh, genre c'est vraiment tout ce que j'aime. Là, c'est vraiment comme, j'aime aider les gens, j'aime comprendre ce qui se passe dans le cerveau des autres, j'aime analyser, j'aime. Je pense que j'ai quand même un grand cœur, là, j'aime vraiment ça aider les gens en général. Pour ceux qui ont déjà fait le programme, vous me laisserez savoir en commentaire si vous avez aimé ça. Puis sinon là-dessus, je vais juste finir de faire le montage du vlog que je fais en ce moment et inclure ce petit clip-là pour pouvoir le mettre en ligne ce soir. Puis c'est ça, je vous retrouve demain dans un prochain vlog et demain, en passant, je vais être en compagnie de Marie-Kim, fait que ça va vraiment être cool.